Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler des dumps. Les dumps, c'est un sujet dont personne ne parle trop dans le domaine des certifications et pourtant je pense que ça doit être absolument abordé parce que c'est un peu comme les sites, on va dire roses, pour pas faire blaster par YouTube. LinkedIn, déjà ça suffit. Personne dit qu'il les utilise, en fait tout le monde essaye de faire son maximum pour les trouver. Ça dit, moi je pense pas que les dumps, bon c'est mal, il faut pas le faire, etc. Vous signez des NDA, Non-Disclosure Agreement, avec les constructeurs avant de passer leur certification. Ça veut dire qu'il vous est interdit de dire les réponses et les questions que vous avez eues lors des examens. Par contre, apparemment, ça filtre. Je ne sais pas pourquoi, mais on retrouve ça où on veut. Je veux dire, si vous allez dans des sites comme en Chine, en Inde ou en Russie, vous allez pouvoir trouver ce type de choses. Puis peut-être même ailleurs, parce que c'est assez généralisé. Moi, je pense que ce n'est pas un problème si grave que ça, parce que la certification n'est qu'une étiquette, en fait, sur une expérience professionnelle, des connaissances et une compréhension technique, et puis aussi, très important, sur la préparation. À partir du moment où, éventuellement, vous avez utilisé les dumps pour passer l'examen, pour le réussir, et où vous n'avez que ce moyen-là, qu'est-ce qui va se passer le jour où vous arrivez dans l'entreprise? Parce que c'est bien sympa d'avoir la certification, mais pourquoi? La question qu'il faut vous poser, c'est pour quelles raisons vous avez besoin des certifications? La réponse, c'est j'ai besoin de certification pour trouver du travail, donc entre parenthèses pour le garder. Parce que si vous trouvez du travail et que vous le perdez au bout de 3 semaines, je doute que ça vous soit très utile. Et d'autre part, pour gagner en salaire, évidemment, et puis aussi pour gagner en respect vis-à-vis de ses collègues. Si vous passez en trichant, mais que en trichant, sans avoir aucune compréhension du truc. Qu'est-ce qui va se passer? Vos collègues ne sont pas des ânes, je veux dire, ils n'ont pas passé de certification peut-être, mais ils vont bien s'apercevoir que vous n'êtes pas capable de faire le job, ils vont bien s'apercevoir que vous ne comprenez pas ce dont il est question. Donc très vite, vous allez avoir une super image, une super mauvaise image, et les certifications, elles ne vont pas vous servir quelque chose, mais elles vont carrément se retourner contre vous. Parce que les gens, ça leur fera quelque part, comment dire, plaisir de vous enfoncer alors que vous avez triché sur vos capacités. Donc, et vous allez comme ça perdre le respect, le salaire, enfin, vous allez perdre le respect d'abord, ensuite votre poste, et puis après, bah, évidemment, le salaire qui va avec. Donc, il faut vraiment pas faire ce genre de choses-là. Les dumps, ça peut être utilisé, mais ça doit être utilisé intelligemment. Ça veut dire, il faut déjà avoir une bonne compréhension. Il faut avoir une compréhension de par votre expérience professionnelle. Il faut avoir une compréhension de par l'étude. Pour ça, il n'y a rien de tel que de pratiquer du lab. Si vous êtes au niveau CCNA, utilisez PacketTracer, etc. Et puis, réviser dans des bouquins Cisco, suivi des cours Cisco si vous en avez la possibilité. Ça, c'est indispensable. Pour comprendre plus rapidement, bah, vous avez des ressources sur YouTube un peu partout. Donc, faites ce chemin-là et faites la préparation. Après, une fois que vous êtes au moment de passer la certification, là vous pouvez essayer de regarder ce qui se fait dans ce domaine-là. Ça peut vous permettre, disons, d'avoir une espèce de béquille psychologique qui va vous rassurer sur vos connaissances. C'est un peu comme les examens blancs que vous allez passer. Donc vous utilisez ça comme examen blanc pour vous entraîner à passer l'examen. Et comme ça, peut-être vous serez plus à l'aise, vous serez moins stressé quand vous allez passer l'examen. Mais voyez un peu la manière de s'en servir. C'est sûrement pas de prendre les réponses pour réussir les examens. Sûrement pas. C'est juste un outil supplémentaire dans votre trousse de préparation. Voilà, je vous remercie.